Et salut à tous, c'est Prince. Nous allons continuer avec un de mes méchants chéris, et vous l'adorez aussi, car il est dans les premiers demandés. Il s'agit de Jafar. Jafar est le grand vizir d'Agrabah. Il utilise divers objets magiques et on pourrait le comparer à un alchimiste. Il fait partie des méchants les plus emblématiques et comme beaucoup d'antagonistes, il est le personnage le plus charismatique de son film. Ayant tenue, comportement et mimique très marquante basée sur Maléfique. Il est tout comme elle accompagné d'un oiseau intelligent. Il a toujours une canne et porte une robe et une coiffe. Ils sont d'ailleurs souvent mis en situation de couple et cela même par Disney. Et comme Scar, il a un comportement légèrement efféminé. Il a été animé par Andreas Deja, dont nous avons déjà parlé. C'était le premier animateur d'Isma qui a abandonné le projet Cusco, qui était devenu trop comique pour lui, afin d'aller travailler sur Lilo dans Lilo et Stitch. Il est méchant pour une raison vieille comme le monde, être calife à la place du calife, ou dans le cas présent, sultan à la place du sultan. Son apparence est inspirée de Hal Hirschfeld, un grand dessinateur, et de Jafar Ben Yahya, qui fut un vrai vizir qui eut une grande importance dans l'introduction de la science à Bagdad, mais qui fut décapité pour une supposée liaison avec la sœur du calife. Il est également inspiré du sorcier du conte La Lampe Merveilleuse, raconté par Scheherazade dans les contes des Mille et Une Nuits, qui contrairement à des idées a été rajouté aux Mille et Une Nuits dans une réédition plus récente. Dans cette histoire, il est seulement nommé le sorcier ou le magicien et se fait passer pour un oncle éloigné d'Aladin qui lui promet un travail dans le domaine du tissu pour en réalité le manipuler pour qu'il s'aventure dans une caverne où il ne pouvait pas entrer lui-même. Afin de récupérer une lampe magique et des pierres précieuses particulières, mais sans rien toucher d'autre. Aladin refusa de lui donner la lampe et le magicien décida de le laisser pour mort en l'abandonnant lui et la lampe dans la caverne. Il se passe ensuite plein de choses du côté d'Aladin, mais c'est un zoom sur Jafar. Si vous voulez le côté d'Aladin, allez supplier Violette en commentaire de faire un zoom sur Aladin. En attendant, tout ce que vous avez à savoir, c'est que grâce au génie, Aladin devient riche et se fait construire un château, puis épouse la princesse Badroul Boudour. Plus tard, le sorcier réussit à récupérer la lampe magique en se faisant passer pour un troqueur auprès de la princesse qui ne connaît pas la valeur de la lampe. Il prend donc le pouvoir et capture la princesse, mais elle feignit de le séduire afin de lui faire avaler du poisson. Vous voyez comme Disney prend plein de petites choses à gauche et à droite pour créer leur personnage? C'est fascinant. Plus tard, le frère du magicien apprit que son frère avait été tué. Il entreprit de le venger. Pour cela, il tua une guérisseuse réputée et prit son apparence pour se rapprocher de Badroul Boudour, mais n'a finalement que le temps de créer des problèmes mineurs avant qu'Aladin ne le démasque et le tue. Pourquoi parler de son frère, me dites-vous? Eh bien, parce que dans le jeu vidéo sur PlayStation, Aladdin et la revanche de Nazira, on apprend que Jafar de Disney a une sœur nommée Nazira, qui sera la méchante de celui-ci. Contrairement à Jafar, elle est née avec des pouvoirs magiques et pratique même la nécromancie. Elle ressuscite même son frère au début du jeu, et on peut remarquer une légère allusion à elle dans le téléfilm Descendants. Jafar apparaît d'ailleurs dans le téléfilm, mais a été changé en voleur, ce qui n'a pas plu à tous les fans, et il a donc un fils, Jay, qui est un des quatre personnages principaux, mais légèrement secondaire avec le fils de Cruella comparé aux deux filles. Jafar est un des rares personnages de tous les Disney confondus à avoir autant de tenues différentes. Il a sa tenue de grand vizir, son déguisement de vieillard, se fait vêtir en sultan. Quand il devient sorcier, son costume entier devient plus pointu, épaulette comme coiffe, sa canne de serpent ouvre la bouche, puis se transforme en serpent, puis en génie. Et on découvre un autre costume de sa garde-robe dans le retour de Jafar, où il est génie mais en forme humaine. Le costume a abandonné beaucoup de noir pour être en majorité rouge, sa coiffe porte des motifs faisant penser à des flammes et sa canne a refermé la bouche. Il devait à l'origine avoir une chanson complète intitulée Humiliate the Boy, durant laquelle il dévoilait au grand jour la véritable identité du prince Ali, mais le scénario a ensuite été modifié et la chanson qui n'était plus adaptée a été modifiée en une reprise parodique de la chanson Prince Ali. Une autre chanson intitulée Why Me avait également été envisagée. Dans cette chanson, Jafar devait se lamenter car son potentiel n'était pas exploité à sa juste valeur dans la ville d'Agrabah. Cette chanson a également été abandonnée. Jafar a finalement sa chanson dans le film Le Retour de Jafar, intitulé Tu n'es qu'un amateur, où il ridiculise le génie. Le doubleur original de Jafar est Jonathan Freeman, qui lui a prêté sa voix dans les films, mais également dans le spectacle Aladdin on Ice, dans les séries Disney Tous en boîte, et Mickey le Club des Vilains, et dans Mickey la Magie de Noël. Ses doubleurs français sont Féodor Atkin, un acteur français ayant joué dans de très nombreux films et séries, et pour les deux films d'animation, et Michel Elia,
qui le double dans la série Disney Tous en boîte et dans les jeux Kingdom Hearts. Michel Elia a une très grande carrière de doublage. Il interprète par exemple La Caverne aux Merveilles, Gazim le voleur et le prince que l'on peut apercevoir dans Aladdin. Pumba dans la trilogie du Roi Lion, La Garde du Roi Lion, la série Timon et Pumba et Disney Tous en boîte où il est aussi le narrateur. Donald dans les années 80, le professeur Slughorn dans le jeu vidéo Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé ou encore l'inspecteur Shemley dans l'ensemble des jeux Professeur Layton et bien d'autres. Jafar apparaît dans la série extension de Once Upon a Time in Wonderland où il est le méchant principal avec Anastasia ou Anastasie selon la langue qui incarne la reine rouge et en plus la reine de cœur car oui, même dans le livre original, ce sont bien deux reines différentes. Pour plus de détails, demandez le personnage en commentaire. Merci. Il réapparaît également dans le Once Upon a Time officiel, mais très peu avec Aladdin et Jasmine. Il est aussi présent dans quasi tous les Kingdom Hearts, où il fait partie des méchants principaux, aussi bien en humain qu'en génie. Il est sûrement le méchant le plus facile à trouver à Disneyland Paris, il suffit de surveiller le coin de la lampe magique. J'espère que ce zoom vous a plu, en tout cas moi j'adore ce méchant, dites-le moi en commentaire si vous l'adorez aussi, car pour moi c'est kiff kiff avec Maléfique. Je remercie PixieTubeuse et Violette pour leur aide, laissez un pouce bleu pour les magnifiques dessins de Meiko et on vous aime, proposez vos personnages en commentaire et je vous laisse avec Princesse la semaine prochaine pour un personnage vous verrez. Zoom, zoom, zoom.